Good morning, allez, Iden, les juste aujourd'hui, le Nishmat Abraham Mordechai ben Yitzchak Vafeni Dvorah bat Esther, Rachel Bracha bat Masuda, ainsi que Lirfuat Abba David ben Esther, Esther bat Isa betor Shachol Israël, que c'était aussi Dieu, une prochaine du Mishnah, quand il était 5 minutes éternelles. Nous étudions la série de Ktuvot, Perek Aleph Mishnah Dalet, Betula, Almana, Grusha, Vachalutza, Mina Nesuin. Ktubatan, Maneve, En Lahem, Tanan, Betulim. Agioret, Vajouya, Vachifra, Genif, de Mishnah, Mishnah, Hero. יתרות על בנות שלוש שנים ביום אחד, כתובתן מנה, ואין להם טענת בתולים, למשנה דלת, אלא רסיפרוק דה למשנה בית. Qui me dit que je traduis directement, et après on expliquera de nouveau. Betula, une vierge, almana, veuve, grusha, divorcée, vachalutza, une femme qui appelle la chalitza, une yevama, que finalement elle a eu la chalitza, mais cette fois-ci c'était minane suin, après le mariage. Ktuvatan mané, leur ktuval ne sera que de un seul mané. Il faudra lui donner juste un seul mané. Ven laem tanan betulim, et le mari ne pourra pas prétendre qu'il n'est pas content d'avoir trouvé les betulim et d'aller s'en plaindre, parce qu'on lui dirait, mon ami, fallait ouvrir les yeux et réaliser que tu t'es marié avec une femme qui a déjà été mariée. Soit, on va un petit peu mettre en scène la situation en fait, c'est qu'il y a une femme qui se marie. Maintenant, elle se marie avec un premier mari, et. Tout le monde sait très bien que le soir du mariage, quand ils sont rentrés chez eux à la maison, 2 heures après, on a entendu les assiettes se voler de partout, et les fenêtres voler, et qu'ils s'insultent, et ils divorcent. Ou encore, quelque chose de moins triste, ou plus triste, comme vous voulez, c'est qu'en réalité, ils arrivent chez eux, puis 2 heures après, on voit les ambulances arriver, le mari est mort. Elle est almana, mais cette fois-ci, elle a eu le temps de rentrer chez elle à la maison. Maintenant, quelques temps après, Shimon décide de rencontrer cette femme pour se marier avec elle, et il fait un calcul très simple. Écoute, 2 heures le temps courant de mariage, et en plus ça, on leur a vu ressortir dehors avec sa robe de mariée, c'est qu'apparemment, ils n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Mais pendant qu'il est en Shidour, qu'il la rencontre, il ne pose pas des questions. Est-ce que tu as vécu avec ton mari, t'as pas vécu avec ton mari, t'as eu le temps, t'as pas eu le temps. C'est déjà trop sensible de parler de tout ça, donc il ne parle pas. Et une fois qu'il se marie, il réalise qu'elle est déjà Be'oula. Elle n'était plus vierge, elle a déjà eu un rapport avec, probablement, son premier mari. Et lui, il va se plaindre au bedin, il disait, mais je me suis marié avec cette femme, elle était censée être vierge, parce que elle était de bonne famille, elle s'est mariée à l'âge de 12 ans et demi. Le soir de son mariage, elle n'a pas eu le temps d'avoir un rapport, parce qu'on a vu l'ambulance venir, vous savez bien, 2 heures après, elle est sortie, elle avait encore toutes les broches sur les cheveux, et donc c'est sûr qu'ils n'ont pas eu de rapport, donc moi j'ai calculé qu'elle était betula. Donc du coup, je me plains, il y a eu erreur, là, j'ai acheté un mauvais achat. Je demande à la divorcer sans payer la ktouva. Il n'y a pas le temps de faire quoi que ce soit. On va lui répondre, écoute, à partir du moment où ils sont rentrés, tous les deux, ensemble, dans la maison, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait, peut-être quand ils étaient habillés, peut-être quand ils étaient habillés, c'est pas ton problème. Tu dois toi maintenant utiliser ta tête pour réaliser qu'une femme qui a été mariée, elle a eu forcément un rapport. Même si, selon tes spéculations, tu dis que des jeunes qui sont pas tellement expérimentés, ils sont encore timides, ils n'ont pas eu le temps, c'est pas ton problème. Ouais, tant qu'elle n'a pas été mariée, tu peux prétendre qu'il n'y a pas eu de rapport. Dès qu'elle a été mariée, il y a eu le temps de faire 10 minutes, d'isoler pendant 10 minutes, c'est plus ton problème maintenant. C'est plus ton problème, c'est à toi de dire que probablement qu'il y a eu quelque chose. Tu ne peux plus prétendre qu'il y a eu erreur dans l'acquisition de la femme. D'accord? C'est clair le principe? Donc c'est ce qu'on a dit, j'avais un élément qui m'a échappé. Mais c'est pas grave, donc tu vas t'en maner, ve'enlem t'anan betulim, mais tu peux pas prétendre qu'il n'y a plus des betulim. Ensuite, on continue. Agioret, ve'ashvouya. Maintenant, c'est la réciproque de la suite de la Mishnah Bet. C'est sur l'histoire avec la Gioret, la convertie, ou la shvouya, la femme qui revient de captivité, ou la shifra, la servante, chez Nifdou qui ont été rachetés, qui ont été chez Nigayon qui se sont convertis, ou qui ont été libérés, ve'nishtar terou. Yeterot al-bnot shalosh shanim, alors qu'elles avaient déjà plus que 3 ans et un jour. À l'âge de 5 ans, ses parents se sont convertis et elle s'est convertie avec elle. Lui, il se marie avec elle, en étant, après elle a grandi, c'était une petite tzadika en général, souvent les guérim, c'est des tzadikim bien purs, comme ça. Et ils arrivent, donc 12 ans et demi, il se marie avec elle, et puis ils réalisent qu'en réalité, elle était Be'oula. Il va, il se plaint au Beddin, on va lui dire, écoute mon ami, c'est vrai que depuis l'âge de 5 ans, c'est une sainte nitouche, dans tout le sens du terme, tzadika les gambrés, mais peut-être que quand elle avait 4 ans, qu'elle était à la maternelle, avec, d'accord, dans les banlieues,
va savoir ce qui s'est passé là-bas, c'est à toi de réfléchir, que peut-être qu'elle a déjà eu un rapport, donc tu ne peux pas prétendre à erreur dans l'acquisition. D'accord? Et donc, il faut leur donner une ktouba tan mané. Tu dois, quand tu te maries avec une femme comme ça, tu dois donner une ktouba de un mané. C'est sûr, c'est normal. Et ve'en laem ta'anat betulim, tu ne pourras pas prétendre au fait que les betulim sont manquants, parce que c'est ton problème à toi de réaliser tout seul qu'elle avait peut-être éventuellement eu un rapport. Et donc dans ce cas-là, tu ne peux pas prétendre que tu es trompé. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.